Scarborough Rouge Park. Monsieur le Président, l'ouragan Matthew a été dévastateur pour Haïti qui peinait à se relever du 16e destructeur de 2010. La communauté internationale se mobilise, mais le besoin reste immense et l'épidémie menace de ressurgir. Les Nations Unies ont annoncé un plan de lutte contre le choléra. Le ministre peut-elle informer la Chambre des mesures prises par le gouvernement pour venir en aide au peuple haïtien? Madame la ministre du Développement international. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue de Scarborough Rouge Park pour sa question. Depuis le début de l'année, notre gouvernement a versé plus de 11 millions de dollars en aide humanitaire en Haïti, dont 6 millions pour secourir les victimes de l'ouragan Matthew. En plus, nous avons augmenté de 8 millions de dollars notre contribution à UNICEF pour offrir de l'eau potable, des systèmes d'approvisionnement, d'assainissement dans les régions affectées par le choléra. Nous avons aussi augmenté de 200 000 $ les fonds alloués aux ONG locales, offrant un appui direct aux Haïtiens. Et finalement, nous attendons les détails du plan des Nations Unies pour évaluer comment nous pourrons contribuer à leurs actions de lutte contre le choléra. Merci.